Il pêche pour pécho, en fait. Énorme. Vérifie Le quand même gars si il... ta femme n'est pas derrière toi. C'est comme ça qu'elle l'a Mais rencontré. elle y est derrière moi, ma femme. Et j'ai rien à lui cacher, hein. Il pêche pour pécho, c'est bien, c'est logique. Faut pas être monté trop fin. Ah, ça c'est sûr. Ah, c'est ta femme qui a dit ça? Non, c'est Toxico qui vient d'écrire ça sur le Ah chat bon, général. je disais aussi que. T'as pas à me rattraper l'autre, hein, quand même. C'est pas mal ça, faut pas être monté trop fin. Quoi? Il vient de comprendre. Tu peux la répéter celle-là? Un qui filme, un qui torture, et Shunshik contre le mur. Quand tu te feras enculer. T'as vraiment craqué aujourd'hui. T'as pris quelque chose qui t'a boosté ou... ITC, c'était le premier à crever. C'est pas possible. Nibiru, il a déjà pas mal commencé. Mon cœur est immense. Pas comme celui de Chunchi. C'est pas très gentil tout ça. Bah écoute, paye ta loose. Paye ta Et loose quoi. Toxico test. Il teste sa table de craft en solo. Lolo. Lolo. Où c'est cassé, il en avait marre de nous entendre. Ben non, c'est surtout que il en a marre de t'entendre toi. Parliez de moi? Non, on parlait que t'en avais sûrement marre d'entendre Chunchi. Hein. De toute façon, j'ai baissé le son de lui, donc de sa voix, donc Putain, je vais essayer de le mute. j'ai mis en orateur prioritaire, donc Hop, mute. Ah, tu te rends compte que je peux dire tout ce que je veux sur Chunchi et je l'entends pas? Je surkiffe. m'étonne. Chunchi. Ah, Chunchi. Oh, le bouton mute, ça te donne, mais un silence. Oh, vas-y, fais un peu de bruit, Toxi, parce que là. Bah, si tu veux, je peux chanter. Ouais? La digue du cul s'en allait est à la messe. Et après, je ne connais pas plus les paroles. Et on lui pèlera le jonc dans le bailli du Limousin. Qu'on a pendu un bon matin. Qu'on a pendu Pendu avec ses ses tripes. tripes. Un peu comme ce qu'on va faire à Chunchi, c'est ça? Mon dieu, j'ai T'as laissé une porte aussi ouverte. Balibalo dans son berceau, bandé déjà comme un taureau. Fils de putain lui dit sa mère, tu bandes déjà plus que ton père. Ah, Balibalo est un salaud. Est un salaud. Balibalo monte à vélo, mais il avait le système si gros. Qu'en pédalant vraiment à fond, la peau de ses couilles se prit dans le rayon. Balibalo est un salaud. Balibalo à bicyclette ne faisait guère de kilomètres, car avec sa longue pine qui traîne, celle-ci se prend toujours dans la chaîne. Balibalo est un salaud. T'es en train Oh, de il y en a lire là, plein comme rassure-moi. ça. Hein. Pardon? T'es en train de lire ou tu la connais par cœur? Bah, cette chanson-là, c'est une chanson de Bayard que tout le monde connaît. Après, il suffit de prendre un truc un peu pochon, après machin, puis tu l'inventes. Hein. Il y en a plein de versions des chansons. Ouais. Ah mon Dieu. Prête à Balibalo dans son cercueil, bandé encore comme un chevreuil, avec sa bite en arc de cercle, il parvint à soulever le couvercle. Balibalo est un salaud. J'en avais une, mais j'ai oublié celle de Balibalo. En fait, un balibalo, c'est un peu comme un chunchi, quoi. Voilà. Mais t'es sûr, t'as pas un problème avec moi?
Est-ce que tu rêves de moi quand tu dors? Ali Balo sur le Vésuve, saisi d'un problème d'effluves. En cruelle à secousse tellurique, 40 000 morts dans la panique. Balibalo est un salaud. Non, tu vois, on trouve plein de versions de cette chanson. Ça qui est bien. Quand tu la quenelle qui se rentre dans ton cul. Dans ton cul. Ça rentre pas. Si je la mets là, ça rentre pas. Toxico, oui. Y'a pas 36 trous. Non, y'a pas tu quoi? Le mets dans le cul de Chenchi, là y'a de la place. Qu'est-ce que t'as dit? Y'a pas 36 trous? Ouais. 36 trous? Ouais, 36 trous. Ah. J'allais dire, je croyais que t'avais dit y'a pas de trop petits trous. Bah, y'a pas de trop petits trous non plus. Hein. Y'a pas de trop bah, petits écoute, trous. Moi je te propose d'aller voir dans la chambre à côté. Hein. Oh putain, mais t'es crade. Qu'est-ce qu'il en est? Bah, sa sœur. Ah! Bah j'étais obligé là, c'était une perche tendue quand même. Tu veux que je te tende ma perche? Non, non. Par contre, je veux bien que tu me tendes celle de ta sœur. Je suis pas sûr qu'elle ait une perche. Hein. Tendre celle de sa sœur? What? Perche. De quoi tu parles avec Chunchi quoi? Bah écoute, on parle de sa sœur, de ma future entrée dans sa famille. Sa place, maman, parce que je crois qu'il doit faire de la température. Ou le SAMU direct. Toxico. Toxico. Tu veux faire quelque chose à distance? À l'aide. Je crois que Chunchi ça va plus là. SOS chien battu, ça marche, non? Ça existe. Non. SOS anévrisme vibrant. À cause d'une prise de drogue importante. Si tu veux, moi j'ai des amis qui sont dans le porno, je peux leur demander de faire un petit truc pour toi avec des vibromasseurs. Vibrer sa sœur? Qu'est-ce qu'elle a encore fait sa sœur? Oh bah non. D'iridium? Hihi. Boum boum boum. Araignée? Logistic pipe à la papaye, à la papaye. Non ça. Putain, mais vous êtes complètement taré. Enfin, pas plus que d'habitude, mais vous êtes quand même complètement taré. J'aurais voulu être un creeper pour faire sauter les dictateurs islamistes. Allez me faire sauter sur. Merde, j'ai pas trouvé la suite. Sur la place, Tim, c'est... Oui? T'es mort. Comment ça, je suis mort? C'est le kit de la série, Chunchi, t'es mort, c'est Tim. Pas de soucis. Le truc, c'est que je vais mourir 0 fois, donc on sera obligé de changer le nom par la suite. On verra. On verra. Je rappelle quand même que sur le CTM, t'es quand même mort pas mal de fois. Hein. Oui, tout à fait. Mais c'est pour. Je me suis suicidé pour vous faire un peu de place. Toute résistance serait futile.